Hey, toi! Ben oui, toi! Tu penses que dans l'Est du Québec, il se passe pas grand-chose? Tu penses qu'il y avait rien que du vent pis c'est tout? Ben attache ta tuque, parce que je t'invite dans mon bar. Ici, à l'Hôtel Central, il y a toujours des brasseux de cossins pis des rameuteux de patentes. Du monde qui ont plein d'affaires à nous faire découvrir. Sport, médias sociaux, arts numériques, cinéma, littérature, économie, microbrasserie. Allez, viens t'asseoir avec nous autres. Tu vas voir que dans l'Est, il n'y a pas rien que le vent. Et des coiffes. L'endroit où ça se passe, l'endroit où ça jase, c'est dans mon bar. Bienvenue à Hôtel Central. On va commencer par boire. Qu'est-ce que t'en penses? Oui! Ça, je suis tout le temps partante pour ça. Super! On boit, alors. Pierre-Olivier est venu me voir l'autre jour, puis on a fait un cocktail nordique. C'est absolument extraordinaire avec la vodka faite au Québec. D'ailleurs, une des vodkas à découvrir, c'est la vodka de Nicolas Duvernois. Oui, vraiment, pure, vodka. Oui, effectivement. Ce n'est un, ça, que sur les réseaux sociaux, il a, ça a marché fort, son affaire. Énormément, vraiment. Faut dire que son branding est très fort aussi. Toute son image de marque autour de ça, il a vraiment créé un... Mais c'est vraiment en partie à cause du web et à cause des médias sociaux. Ça lui a donné vraiment un très bon coup de pouce, effectivement. C'est sûr qu'en SAQ et tout ça, il y a quand même de la promotion qui se fait. Mais sur les réseaux sociaux, les alcools, ça va vraiment très bien, là. Comment un entrepreneur fait pour se démarquer sur le web? Avec les différents médias sociaux. Comment on utilise ça? Si on prend comme exemple Jean Saint-Laurent, par exemple, eux ont vraiment une communauté dans le Bas-Saint-Laurent qui les suivent et qui les encouragent et qui prônent cet alcool-là. C'est vraiment... Puis aussi de la façon dont tu abordes tes gens ou ta communauté sur ton média, eux, ils vont de façon très ludique, très rigolote. Ils essayent... En tout cas, tu as vu quelques vidéos. Ils font souvent des jokes, en effet. Là. Je pense que dernièrement, en tout cas, il y a pas si longtemps, ils avaient fait un smoker pour leur grain de blé. Puis c'était le Bob Marley smoker. Oui, c'est ça, exactement. C'est sûr que ça fait image. Les gens, ils partagent la nouvelle. C'est ça, il y a toujours une histoire autour de leur publication. Il y a toujours quelque chose. C'est attirant, en fait, pour le fan ou, en fait, la personne qui les regarde sur les médias sociaux. Fait que c'est vraiment de créer une histoire, en fait, derrière tout ça. C'est vraiment aussi de satisfaire sa clientèle. Ils demandent l'avis, quand même, quelquefois, de leur communauté sur les médias sociaux. D'interagir avec la clientèle. C'est très important. Okay. Ouais, d'interagir sur les médias sociaux si on veut du succès, là. Ouais, c'est ça, exactement. Quand on parle d'interaction, c'est soit du partage de la nouvelle ou c'est soit des commentaires. Mais si quelqu'un t'écrit un commentaire, là, c'est vraiment, je dirais, obligatoire de lui répondre. Faut lui répondre, répondre rapidement. Bien, en tout cas, essayer le plus possible. Puis maîtriser le message aussi, la réponse. Ouais. Puis, okay. Exactement. Puis c'est de cette façon-là qu'ils réussissent bien. Est-ce qu'il y a d'autres entreprises dans l'Est du Québec qui se sont démarquées par la maîtrise de leurs médias sociaux? Bien, moi, j'aime bien, en tout cas, Jean-François Desrosiers du marché Desrosiers à Matane, le IGA. Honnêtement, j'ai trouvé que c'était un gars qui a eu beaucoup de courage de dire, bien, regarde, je me lance sur les médias sociaux. J'essaye quelque chose de nouveau. Moi, je veux faire de la vidéo. Je veux m'amuser là-dedans avec de la musique un peu rétro, de la musique un peu plus ou plus hype aussi, là, plus moderne. Puis, c'est ça, il s'est mis à faire des chansons par rapport à des produits, mettre de l'avant. On a eu le fameux succès de Ballonné qui a eu des milliers de partages. Je crois l'avoir vu surfer sur un arc-en-ciel aussi avec des chocs de gomme, quelque chose comme ça. Parce que là, ça frappe l'imaginaire, puis c'est sûr que ça a fait sensation là, sur le web. Oui, puis ce qu'il dit, lui, en fait, c'est vraiment pas bête. C'est lancez-vous, en fait. Okay. Si ça vous tente vraiment d'explorer ce côté-là des médias sociaux, lancez-vous, puis faites ce que ça vous tente de faire, puis ça va faire jaser, tout simplement. Le but, c'est de faire jaser. Tu sais, lui, il est pas allé dans une image lichée ou vraiment une image haut de gamme ou quoi que ce soit. Ça se peut-tu qu'il y ait une mécompréhension aussi? Dans le fond, les gens sont habitués de faire de la pub traditionnelle. On arrive sur un nouveau médium, puis là, on continue le même canevas, la même façon qu'on a toujours fait. Oui. Alors que faut vraiment repenser tout ça. C'est pas la même façon, c'est pas la même structure du tout. Non, le but, c'est de divertir la clientèle. Okay, c'est vraiment de les divertir, puis de les impliquer d'une certaine façon le plus possible. OK. Puis c'est ça, de cette façon-là, Jean-François, avec ses vidéos, il a vraiment bien réussi. Maintenant, c'est un icône de IGA. T'sais, ils ont fait l'avatar Jean-François. Ils l'utilisent dans leurs pubs, dans les pubs du million. En tout cas, il y a plusieurs promotions par rapport à IGA.
tout au long de l'année, là. C'est devenu un réel métier, là. C'est l'enfer. C'est carrément un monstre, là, qu'il faut nourrir les médias sociaux. Il faut que dans une entreprise, il y ait quelqu'un qui prenne ça en charge. Oui, idéalement, en fait, c'est beaucoup de temps, là, parce qu'il y a beaucoup de mise en scène derrière tout ça. T'sais, il faut prendre la photo, il faut quand même avoir un message qui vienne attirer la communauté. Il y a vraiment... c'est ça. C'est rendu un métier, en fait. Soit que, justement, les entreprises ont quelqu'un à l'interne qui s'en occupe ou qui engage des agences qui vont les appuyer là-dedans puis les aider à créer du contenu pour la communauté. Ah oui, carrément, oui. Ouais. OK. Hey, salut! Bonsoir. Ah, je suis content que tu sois là. Assieds-toi. On a une spécialiste du cinéma avec nous. Comment on fait dans ce coin-ci pour se démarquer, pour faire du cinéma? C'est quoi un des moyens qu'on peut utiliser pour faire du cinéma dans la région? Bien, si on a une idée saugrenue ou un peu originale, ben c'est de se lancer. C'est un peu ça qu'a fait le collectif Vivier 48 à Matane. Collectif Vivier 48. OK. C'est un collectif qui est formé de vidéastes de la région de la Matanie. Ses membres avaient le goût de faire du cinéma, de se donner un petit peu plus de moyens. En 2014, le collectif est né. Ils ont fait un premier film un peu à la manière... Ben, non, c'était quand même organisé, mais un petit peu avec pas de moyens. Là. C'était vraiment pour se lancer. OK. Un film basé sur le jeu littéraire du cadavre exquis. OK. Puis la littérature a souvent des liens avec ce que fait le... C'est souvent le point de départ des projets du collectif jusqu'à maintenant. Par la suite, ben là, le collectif a pu aller plus loin et ils sont allés demander des sous au Conseil des arts et des lettres du Québec avec un projet dont le point de départ était le recueil de poésie 100 000 milliards de poèmes de Raymond Queneau, un auteur français. C'est un ouvrage assez spécial parce que les poèmes, les vers, en fait, sont écrits sur des bandelettes. C'est pas des pages là, comme un recueil de poésie normal, donc c'est des bandelettes vraiment de papier et on peut faire toutes sortes de combinaisons finalement, ensemble. Toutes sortes de poèmes. Okay. Il y a des, je sais pas combien de possibilités. Donc, le projet est parti de là, hors saison. 5 réalisateurs et réalisatrices du collectif ont pris part à ce projet-là. Et l'idée était que chacun des réalisateurs réalise sa propre histoire dans un lieu unique. C'est un projet aussi numérique. Hein, dans le fond, à la base, il y a un site web qui est associé à ça. Quand on va sur le site web, qu'on appuie sur « Générer un film », bien, vous allez voir un film, mais qui n'est pas nécessairement de la même personne. C'est-à-dire que les scènes vont s'entremêler. OK, dans le même principe que... Littéralement comme un cadavre esquis. Oui, c'est ça. Mais toujours de l'introduction à la conclusion pour qu'il y ait quand même une certaine cohésion. Ouais, est-ce que le collectif a des inspirations, des sources d'inspiration qu'on sent à travers leur travail? Je pense que oui, parce que les réalisateurs et réalisatrices ont tous des goûts différents et puis des influences différentes, fait qu'on peut... On peut sentir, par exemple, chez Nathalie, un côté très... le cinéma social, là, c'est vraiment... Okay. Ça évoque ça. Il y a un peu de cinéma de genre aussi, je dirais. Ah oui? Okay. Dans ce que fait Steve Véro, par exemple. Non, mais c'est vraiment un travail de qualité. On voit les images, là. Wow, fascinant. Bien, merci beaucoup voilà, pour la découverte. Manic 5. Oui, Manic 5. Ça, c'est mon père. Okay. Hey! Merci beaucoup pour la découverte. Bien... Hey, Jean-François Desrosiers de IGA, il a rendu porte-parole, il a même son bonhomme 3D. On peut-tu me faire un bonhomme 3D, moi? Yeah. Bon. Allô! Ah, oh, Rêve, très belle visite! Regardons ça, toi. La bonne nouvelle, c'est que... T'as déjà une bouteille ouverte? J'ai déjà une bouteille ouverte. Qu'est-ce qu'on a ici? T'as toujours des choses intrigantes. Ben oui, mais tu sais, j'arrive tout le temps avec des livres, plein d'affaires. Puis c'est que là, en fait,
Bon, je reviens d'une foire d'art contemporain. OK. Puis je suis un petit peu dans l'esprit de la collection, finalement. Puis ouais, mais... j'ai vu des choses potentiellement pour moi, tu sais. Collectionner des œuvres. Ouais. Non, mais attends, là, ouais. C'est le propriétaire de Tesla qui peut collectionner des œuvres d'art? Non? J'aimerais ça collectionner des Tesla. Moi aussi! Mais non! Je t'avoue! Non, non, non. En fait, c'est ça la collection. C'est faisable. Et comme c'est accessible à monsieur, madame, tout le monde. Comme toi et moi. Ben ah, oui, ouais. Ben okay. Oui. Okay. Ça, en fait, il y a même des super grands collectionneurs américains. Le mari, il était commis des postes. OK. Son épouse était bibliothécaire. OK. OK, fait qu'on s'entend que c'est des salaires très normaux. Oui. Ils vivaient dans un 3,5. Ah oui? Toute leur vie. Puis... ils ont une extraordinaire collection d'art aujourd'hui. OK. Plus de 4000 œuvres. OK. 4000. Mais c'est facile à dire à partir des années 60. La famille Vogel, couple Vogel. Mais tu me dis que même non, à partir de maintenant. Le truc, c'est que faut que tu collectionnes les œuvres de ton temps. OK. Puis eux autres, c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont commencé, je pense que le mari Herb Vogel, il avait acheté peut-être une œuvre ou très okay. peu, en tout cas, avant leur mariage. Ensuite, ils ont fait un premier achat ensemble pour souligner leur mariage. Cute. Puis ça a continué comme ça, mais pendant, okay, pendant des décennies. Là, puis ils ont ramassé une collection de malades. Puis hey, écoute, là, maintenant, ils ont des documentaires qui parlent de leur collection puis qui parlent de leurs habitudes de collectionnement et tout ça. T'sais, tu peux vraiment être quelqu'un de normal là, puis dire que tu développes une passion puis que tu développes une super collection dans la gang de ceux qui sont un peu connus mais qui ont un emploi qui pourrait être considéré comme normal. Oui, oui. Au Québec, on a Alain Tremblay, okay. qui est un prof de secondaire. C'est un prof d'éthique et de culture religieuse. Okay. Puis avec son salaire de professeur, oui. puis lui, il habite Montréal, bien, il s'est monté une super grosse collection puis il y en a des Marc Seguin. Ah oui? Il y a plein d'affaires dans sa collection. Il y a beaucoup de gens que quand on parle là, de collectionner mm-hmm. des œuvres d'art, puis tout ça, on pense à dépenser de l'argent par les fenêtres pour des gribouillages. Oui, bien c'est ça, non, en fait, parce que l'art visuel ouais. a à peu près le même cours que l'art OR sur le marché. Ah oui, du real ouais. gold, là, ouais. du vrai or. Là, ouais. Parce que même en cas de crise économique, ouais. souvent, si tu as une œuvre d'art à la maison puis que tu la considères comme un investissement financier, bien, cette œuvre d'art-là ne va pas baisser de valeur nécessairement s'il y a crise économique. Wow, c'est fascinant. Ça va être plus stable, okay. un peu comme l'or okay. OR. J'avais, c'est des guides. Pour commencer à collectionner, okay. finalement. Ce guide-là, puis celui-ci, en fait, ça a été produit par la GAC, qui est l'Association des galeries d'art contemporain, okay. Qui est une association québécoise, mais qui maintenant a des membres galeristes un peu partout à travers le Canada. Et puis, eux autres, en fait, ont commencé par faire ce guide-ci, qui est collectionner le guide, mm-hmm. un peu vraiment une intro, super simple, beau graphisme. Ils parlent de tout. Ils disent, quand tu vas dans les vernissages, va dans les musées, parle au galeriste, n'aie pas peur de parler à l'artiste, t'as pas besoin d'avoir un super gros salaire, vas-y doucement. Okay. Le truc, c'est de s'informer. Okay. On peut regarder des revues. Après, ça, ils ont fait ce deuxième volume, ça, c'est collectionner, c'est le guide des entreprises. Ah, oh, wow, OK, parce mais oui, aussi investir des, en tant qu'entreprise, des avantages c'est clair. Super important si tu te mets à collectionner pour ton entreprise, parce que toutes les œuvres d'art qui sont achetées par l'entreprise et qui sont exposées dans les espaces publics, donc où tu reçois des clients, bien, c'est que ça, tu peux déduire ça de tes impôts. Oui. Puis non t'sais, seulement ça, si mais... comme si tu achetais un ordinateur, par à l'heure exemple. Des médias sociaux, en plus, je pense qu'il y a de la promotion à faire à travers les médias sociaux avec ben l'achat oui. d'une œuvre d'art. Oui, définitivement. Tu vois, à partir du moment où tu me dis que je peux devenir riche avec ça, puis en plus, ben, je peux collectionner les œuvres d'art chez ouais. moi de façon tout à fait normale, c'est clair que j'embarque. Oui. Bien, pour vrai, c'est vraiment une super belle façon de, premièrement, décorer sa maison. En fait, d'avoir un quotidien qui est beaucoup plus agréable. Je t'avoue, moi, personnellement, j'en ai des œuvres d'art chez moi. Oui. Puis, ça fait partie de mon quotidien. Puis, c'est incroyable. Ça ajoute tellement de beauté. On n'est pas obligé d'avoir une affiche de IKEA dans la maison ou juste de se contenter d'une fausse toile reproduite. Un bon vieux laminé, là. Ouais, imprimée ouais. qu'on a acheté chez Winners. C'est pas nécessaire, parce que le pire, là, c'est que ça coûte cher, des espèces de fausses toiles dans les ben, magasins en fait, déco, si on, là... on économise notre argent plutôt que d'acheter des faux laminés, on peut s'imaginer avoir peut-être même l'œuvre mineure d'un artiste. Ah, tu m'as convaincu, je vais ben, me mettre à être un collectionneur d'art ben, international. Donc, on commence par le Québec. Hey, hello, salut. Ça va? T'es en place, hey, viens, attends, là, excuse-moi. Ça va intéressant.
J'ai vu le fleuve aujourd'hui. Le fleuve est, ouais, comme d'habitude, absolument magnifique. Ouais. Comme d'habitude, ben, il est jamais assez changeant. T'sais, il rythme, quand tu restes dans l'Est, le fleuve rythme notre vie, qu'il soit complètement déchaîné, qu'on ait peur qu'il parte avec des morceaux de berge, ou le miroir, ou les petits trucs. Ouais. Puis c'est l'infini. T'sais. Souvent, on voit, puis tu as l'impression qu'il n'y a rien, mais tu te rapproches, tu es sur le bord un petit peu de l'eau, puis là, hop, tu commences à avoir de la vie, puis tu as la chance de pouvoir mettre la tête dans l'eau, puis de voir ce que tu réalises, que c'est un monde complètement infini. Il faut quand même porter attention parce que c'est un microcosme, c'est des petites choses qui se passent. Ouais. C'est comme plein de petits tableaux, c'est ton bien. Tu sais, à quelques mètres de la berge, on va voir des oursins, on va voir de la plie canadienne, on va voir des champs ou des jardins d'algues avec de la duse qui va être mauve, de la laitue de mer vert vraiment flash. Oui, oui. Puis pourtant, mais comme Québécois, on consomme peu de nos ressources. Là, tu veux dire que tout ça se mange? Bien, il y a beaucoup, pas tout, mais il y a beaucoup de choses qui se mangent dans le Saint-Laurent. Puis il y a beaucoup de choses que la planète veut dans notre Saint-Laurent et qui nous passent sous le nez. On exporte à peu près 285 millions de ressources marines au Québec. Mais on importe 400, 460 millions de... Ah oui, OK. Donc on importe beaucoup plus que ce qu'on exporte. On importe, grosso modo, à peu près le double. Donc, nos ressources, on les envoie ailleurs, puis nous, on va chercher dans d'autres endroits dans le monde qui peuvent être, par exemple, l'Asie avec la surpopulation puis la pollution. Ouais. On va chercher des poissons dans ces régions-là. Ça, c'est drôle, ça. C'est un petit peu bizarre. Ouais. Mais tu sais, il y a beaucoup de problèmes aussi, là, quand on parle du Saint-Laurent ou des pêches, là. Mais tu sais, une des espèces phares dans les problèmes, c'est le thon. Parce que on sait que les populations de thon dans le monde sont en décroissance. Il se fait de la surpêche dans le thon. C'est la pire pêche. Ouais, c'est la pire pêche, mais c'est la pire pêche, mais tu as des trucs qui sont quand même intéressants qui se font là-dedans. La pire pêche, c'est un chalutier avec un filet d'un kilomètre puis qui rentre 500 tons d'un coup. Ah, mon Dieu! Mais ici, ça n'a aucun sens. Mais il y a du thon dans notre golfe. Il y a du thon, puis les populations commencent à être de plus en plus importantes. Et on a la chance d'avoir un pêche océan Canada qui contrôle bien les stocks de poissons. Donc, il y a 50 permis de pêche au thon qui sont émis en Gaspésie par année. Ça veut dire 50 poissons? 50 poissons, et c'est de la pêche à la ligne. Là, on n'est plus, on est quelque chose. Là, on doit se battre avec le poisson à armes semi-égales. Il y a un bateau, un capitaine, puis du monde qui se fait quand même. Je veux dire, donc, c'est vraiment de la pêche à la ligne. Ouais. Fait que quand quelqu'un pense qu'il est un bon pêcheur, en fait, probablement qu'il ne sait pas encore tant qu'il n'a pas essayé de s'accrocher un thon, parce qu'un thon, c'est du solide, là. Ouais. C'est assez immense. Puis, ça peut peser combien, à peu près? Bien, 700, 800 livres, à peu près. Okay. Simon Poirier, du Brisbees, ils ont commencé à faire un partenariat avec un pêcheur. Parce qu'il faut savoir que la manière que ça fonctionne, c'est que le pêcheur, la majorité du temps, va envoyer dans les grands marchés. Boston est un des plus importants. Ouais. Et ils vont être vendus à l'encan à ce moment-là. Donc, le pêcheur ne sait pas ce qu'il va avoir pour sa prise. Donc, ce que Simon a fait, il y avait un ami qui est pêcheur. Ils se sont dit, bien, on part l'équipe du resto, on va pêcher notre thon. Wow! Et la prise qu'ils ont prise l'année passée... Ouais. Ça, c'est ici, là? C'est ici. C'est dans le coin de Gaspé. Une belle bête. Mais on s'entend qu'en plus, le thon, c'est une des plus belles viandes au monde. C'est incroyable. Ouais. C'est du thon, mais c'est du thon rouge, c'est du thon rouge. Ça, c'est du thon rouge. C'est incroyable. Mais là, il assure aux pêcheurs un prix en disant, on va le pêcher avec toi. Tu es garanti du prix. Fait qu'on a quelque chose qui est encore plus viable là, de façon économique. Pour faire ça, mais pour tout le monde, puis pour eux aussi, bien, l'équipe de restauration, tu vas pêcher le thon, tu t'es battu peut-être 4 heures, 3 heures avec le thon, essayer de le sortir, bien, tu vas le respecter. Tu vas avoir un respect incroyable pour l'animal. J'ai comme envie d'aller respecter un thon avec toi et une équipe de cuisine. Ça serait le fun qu'on se mesure un thon que t'en parles.
Le meilleur moyen de savoir, on a une belle certification qui s'est faite par Exploramère à Saint-Anne-des-Monts qui font Fourchette Bleue. Donc, ils travaillent avec l'Institut Maurice-Lamontagne, ils travaillent avec Pêcheurs et Océans Canada. On s'assure que les poissons qui sont pêchés ont une belle technique de pêche qui n'endommage pas les fonds, que les stocks sont en croissance. Il y a l'aspect méconnu aussi. L'idée, c'est en diversifiant son alimentation, si on va consommer du bourgeot une ou deux fois par année, chacun des Québécois, ben, on assure une industrie, puis on a une capacité de développer puis d'assurer des revenus à des pêcheurs qui, eux, vont aller le pêcher. Sur la liste, on retrouve depuis plusieurs années du calmar du Saint-Laurent. Quel restaurant n'a pas de calmar frit ou pratiquement? Ouais, il y a ça un petit peu partout, mais ça vient tout de Thaïlande. Ben on en a. Il y a des permis de pêche, mais les pêcheurs ne le pêchaient pas parce qu'il n'y avait pas de demande. Ah, oh, ouais, hein? Donc là, ça va commencer. Oui, bien, les oursins, il y a beaucoup d'exportations qui se fait. C'est-à-dire qu'à place d'avoir une espèce de thon en canne dans ton assiette, on pourrait avoir un bol d'algues, d'oursins, de thon puis de calmar du Saint-Laurent, mais bon, faut quand même avoir envie d'essayer. Oui, bien là, on est dans des espèces qui sont plus compliquées. Ça prend des notions de cuisine, mais on peut commencer avec le turbo. Oui. On peut le flétan. Déjà là, c'est des espèces beaucoup plus faciles. Le crabe, le homard, la crevette, bon, c'est des classiques. C'est mais, on est bien servi dans l'Est pour ça. Là. C'est tellement bon. Tu sais, l'espèce de folie qu'il y a dans, à Rimouski quand la pêche au crabe commence, puis qu'il y a des line-up. C'est clair. Mais... c'est la fête de manger toutes ces affaires-là. C'est du Saint-Laurent. Merci pour les suggestions, mon cher. Pour le last call, David voulait absolument venir me parler de poésie. Fait que ça va prendre du lourd. Une chance que je suis bien équipé. Je situerai l'homme où naît mon harmonie. Ma langue est d'Amérique. Je suis né de ce paysage. J'ai pris souffle dans le limon du fleuve. Je suis la terre et je suis la parole. Le soleil se lève à la plante de mes pieds. Le soleil s'endort sous ma tête. Mes bras sont deux océans le long de mon corps. Le monde entier vient frapper à mes flancs. J'entends le monde battre dans mon sang. Really? Je suis obligé de dire que non. C'était juste pour te faire peur. Ben, je sais pas. Parce que je veux pas que tu me gosses avec ta poésie. Pourquoi? Pourquoi la poésie? Pourquoi? Écoute. Moi, petit Montréalais, là, quand je me suis aligné pour déménager dans le Bas-Saint-Laurent, j'ai cherché à la bibliothèque ce qu'était le monde à l'extérieur de la région montréalaise. Puis je suis tombé sur Ode au Saint-Laurent de Gatien-Lapointe. OK. Puis, écoute, j'ai tout senti au travers de son poème. Alors, on peut juste apprécier la poésie à partir de là. Je pense que la poésie permet de vivre des émotions au travers d'images, puis d'habiter des espaces, des personnes. Enfin, la poésie permet de voyager partout. C'est pour ça que j'avais envie de te lire d'abord un poème sur le Saint-Laurent. Je pense qu'ici, on est à la bonne place. Oui, c'est clair. C'est un espace qu'on côtoie constamment, qu'on voit jamais de la même façon, parce que quand je m'en vais travailler le matin, moi, je pense pas à quel point c'est magnifique, tu sais. Ouais. Mais quand je vais marcher, soudainement, le fleuve se transforme complètement, devient autre chose, devient pour moi un terrain que j'habite, un terrain de jeu. La poésie nous entoure. Ah merde, t'es en train de me faire voir quelque chose que je voulais pas voir. Ah. C'est-à-dire que, dans le fond, on appréhende tout le fleuve d'une façon différente. Chaque personne a sa vision du fleuve. Puis dans le fond, de le mettre en mots comme ça, très, très proche de la sensibilité, ben ça nous permet d'avoir accès à une vision très spécifique puis très charnelle, très vécue du fleuve, par exemple, ou de d'autres choses. Ben on peut dire ça, mais on peut le revirer complètement puis plutôt dire chacun vit son expérience en voyant le fleuve, puisqu'on est encore dans cette métaphore-là. Oui. Comme chacun vit son expérience en lisant un poème. Le poème n'est pas porteur d'une vérité absolue. Okay.
le poème éveille en toi quelque chose. Tu sais, au travers de l'école puis de notre démarche, quand on a rencontré la poésie tous ticules les premières fois, hein, c'était dans un cadre assez scolaire qui a ses défauts puis qui nous a beaucoup enseigné à interpréter, à analyser, expliquer, comprendre. Puis je pense que c'est intéressant, ça peut être utile quand on fait de l'analyse littéraire, mais on lit pas de la poésie pour faire de l'analyse littéraire. Non, c'est clair. Fait que l'idée, je pense qu'il faut de se mettre en tête, c'est arrêtons pour une fois d'essayer de comprendre, puis essayons juste de sentir. De se laisser porter par eux. Puis si on sent rien, si on sent rien, c'est correct. C'est pas grave. C'est cool! Puis, je suis pas un spécialiste de la poésie. J'aime la poésie comme j'aime plein de lectures, mais quand je lis la poésie, c'est ma lecture où je me dis, le lâcher-prise, c'est ici que ça se passe. Puis si ça marche pas, ben je changerai de recul. OK, je suis game. C'est, alors, qu'est-ce voilà, que tu as à me proposer? Je te propose, comme petite virée, on va commencer par... une belle poète rimousquoise qui s'appelle Laurence Le Laveilleux, qui a deux recueils à son actif, qui écrit une poésie vraiment intéressante parce que c'est une poésie qui est souvent écrite au jeu et qui se projette à plein d'époque. Donc, c'est des poésies de personnages, si on veut, okay. Où le personnage a 9 ans, a 12 ans, a 16 ans. C'est comme des petits tableaux à chaque fois. Puis c'est le fun de l'ouvrir puis d'aller juste regarder à gauche, à droite, peut-être en voyage, je ne sais pas. Mais il y a un plaisir là-dedans à parcourir ce premier recueil-là qui était Chasse aux corneilles, aux poètes de brousse. C'est un peu sombre. C'est la lumière qui pénètre, c'est une lumière un peu sale, comme un des après-midi gris d'automne. Okay. Il y a une certaine mélancolie. Belle image, absolument. Ouais, ouais, une belle mélancolie chez cette poète-là. Ensuite, une future vedette, je pense. Elle a le mérite d'être également comédienne, d'avoir plusieurs cordes à son arc. C'est Natacha Canapé-Fontaine, qu'on a commencé à voir de plus en plus sur les plateaux de télé, dans les séries. Elle porte aussi la parole des femmes qui sont victimes de violences. Okay. Les femmes autochtones qui sont victimes de violences. Donc, c'est une militante de ce côté-là. Mais elle a aussi tout un travail de poésie qui est entamé depuis quelques années. Et le titre est magnifique. « N'entre pas dans mon âme avec tes chaussures ». OK, ça me parle quand même. Je trouve qu'il y a quelque chose de avec très une fort là-dedans. Pochette en plancher, c'est excellent. Très bonne idée. Chez Mémoire d'Encrier. Donc, c'est une poésie qui se nourrit beaucoup de l'imaginaire innu, donc cette façon de nommer le territoire, mais aussi ces blessures profondes-là qui se passent de génération en génération. C'est une poésie qui est très, très belle, qui est légère, malgré parfois des sujets qui peuvent être plus lourds. On se plonge très facilement dans ces recueils, puis on se retrouve dans l'odeur d'épinettes de la Côte-Nord. Là. Ah, merveilleux. OK, ça fait image. J'avoue que je comprends. Vraiment génial. Puis je terminerai avec Noémie Pomerleau-Cloutier, qui est ma dernière découverte, moi, que je connaissais assez peu, qui vient aussi de la Côte-Nord. Son premier recueil, Brasser le Varec. Si vous prenez le temps d'aller vous promener sur le bord de la mer, traîne ça dans ta poche. C'est un poème qui est simple, facile d'accès, qui se nourrit de la rencontre entre la terre puis la mer. Hein. On est dans cette espèce de brassage-là sur les galets, avec la flore de la Côte-Nord. Moi, je vais dire très franchement, j'avoue que tu viens de faire un tour de force parce que ça donne envie d'aller lire sur le bord de la grève. Si tu me dis, à partir de maintenant, je vais lire 5 minutes de poésie par jour, je pourrais dire mission accomplie. Ouais, je pense que je vais en produire même. Je vais écrire ma poésie. Tu veux continuer à nous suivre? Viens nous voir sur notre page Facebook. Pour moi, il est 3 heures, on ferme l'Hôtel Central.